Je suis sûr que tout le monde est content. Amen. Alléluia. Amen. L'une des caractéristiques des enfants de Dieu, c'est la joie. Alléluia. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous venons adorer notre Dieu, lorsque nous venons célébrer notre Dieu, nous devons être remplis de joie. Alléluia. Même si tu avais un problème, même si tu avais des soucis, il faut laisser toutes ces choses. Alléluia. Parce que tu es ici devant la présence du Saint-Esprit. Tu es devant le trône de Dieu. Et le Seigneur veut que toutes tes pensées soient ici. Pour ce moment où nous donnons à notre Dieu pour le rendre un culte digne en son honneur. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te donne d'être attentif et qu'il te dispose. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous aime tellement. Alléluia. Amen. Il t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous aime. Nous voici encore en vie. Nous voici encore sur nos deux pieds en train de danser, en train de sauter. Alléluia. Ça, c'est une joie. Alléluia. Au moment où nous sommes là, d'autres personnes sont parties. Plusieurs personnes même sont parties, sont mortes. Et malheureusement, ceux qui sont morts, il y a d'autres qui sont morts sans même se repentir. Il y a ceux qui sont morts loin de la face de l'Éternel. Et leur sort est déjà scellé. Ils ne peuvent plus revenir parmi les vivants. Malheureusement. Et nous qui sommes vivants, le Seigneur nous donne ce souffle de vie. Il nous donne cette grâce. Et nous, si nous sommes en vie et sauvés, pourquoi pas le louer? Pourquoi pas danser pour lui? Alléluia. Ceux qui ont beaucoup marqué, vous avez vu. Alléluia. Regardez maman Sarah à son âge. J'observe beaucoup. Vous voyez, malgré son âge, elle danse pour Jésus. Alléluia. Amen. Elle danse pour Jésus. Et je vois même les jeunes qui n'atteignent même pas 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui n'atteignent même pas 20 ans, même 30 ans. À son âge. Oh, maman, ça va comme maman Suzanne. Vous voyez? Alors que les jeunes sont là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade ou vous avez des soucis? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de maman. Dieu, c'est très important. Il faut les encourager. Là, il faut encourager. Il faut encourager. Amen. Et je vous invite, jeunes frères, jeunes sœurs, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, alléluia. Quand on parle de la louange, c'est vrai, il y a les chants qui sont en train de conduire. Alléluia. Même si tu ne connais pas chanter, il faut suivre. Il faut même faire la petite chante. Dans la foule, bon, ta voix. On va voir que tu es en train de chanter. Que de tes restes et puis tu regardes les autres. Non. Quand tu vois ça, on acclame. On n'acclame pas pour le nom de Dieu, on acclame pour Jésus. On acclame aussi. Même si tu ne connais pas acclamer, acclame. Fais comme d'acclamer. C'est très important, peuple de Dieu. Et tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout est pris en compte. Amen. Tout
tout est pris en compte. Amen. Regardez, ceux qui ont vendu les âmes au diable, lorsqu'ils sont dans leur réunion certaine et mystique, et ils obéissent à tous les ordres, tout ce qu'on leur demande de faire, ils obéissent sans murmure. Même si on leur demande de rouler sur le caca, ils vont rouler. Même sur les cendres, ils vont rouler. Parce que là-bas, ça ne rit pas. Le diable ne s'amuse pas. Tu ne peux pas, il te frappe. Yes. Jette ton âme en enfer directement. Yes. Mais nous sommes, c'est le niveau du roi des rois, le créateur de toutes choses. Et quand nous sommes devant lui, puis on fait le semblant, non. Ayez vraiment du respect pour ce Dieu. Alléluia. Ce Dieu est un Dieu terrible et redoutable. Vous ne connaissez pas ce Jésus. Il est un Dieu terrible et redoutable. La Bible, il est un Dieu redoutable. Son nom. Ah. Voir que les enfants de Dieu se s'amusent. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour faire des réunions familiales. Oui, après, et on se sépare. Non. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Et ta présence compte beaucoup. Yes. Amen. Ta présence compte beaucoup. Et le Seigneur sait. Tu es fidèle. Quand on parle de la fidélité également dans le culte que nous rendons à notre Dieu. Amen. C'est ça la fidélité. Après, ta voix va te demander, est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que tu étais fidèle? Dans ma maison, tu manques le culte. Tout ça. Il y a même d'autres même qui ne viennent même pas au culte pour des raisons. Et chaque culte que tu manques, tu rends beaucoup de bénédictions. Je vous assure. Donc soyons des enfants de Dieu, des chrétiens dignes de ces noms. Alléluia. Vous ne connaissez pas, c'est-à-dire la grandeur et l'importance de ces noms dont nous portons, chrétiens. C'est un grand statut d'être chrétien. Parce que quand le diable voit les enfants de Dieu, lui c'est bon, même il s'amuse même avec ce Dieu. Parce que lui qui connaît le paradis, il était au paradis au ciel. Quand il voit les gens, c'est-à-dire font n'importe quoi, il s'amuse avec ces hommes, il se moque. Parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire la valeur de ces noms qu'ils portent. C'est ça la vie chrétienne. Peut-être d'autres pensent que non, ou peut-être ça sera encore, je ne sais pas, d'une manière extraordinaire, où on va encore faire que c'est ça. Et c'est ça que les apôtres ont fait. Et ils ont persévéré, ils ont sauvé. Il n'y avait pas d'extraordinaire, c'est comme ça. Dieu. Vous voyez, c'est un Dieu aussi. C'est Dieu-là, c'est qui faisait au temps de la loi sous la commune de Moïse. Si c'était encore aujourd'hui, mais c'est que beaucoup de personnes sont frappées. C'est que la terre a englouti, a avalé beaucoup de personnes. Mais parce qu'il est un Dieu d'amour. Il a sa grâce. Amen. Il a sa grâce. Tout ce que nous faisons, c'est ça, c'est juste une tête, c'est parce que c'est le minimum, ne serait-ce que nous laisse en vie et de faire ce qu'il a mis devant nous, à notre disposition de faire. Et nous le faisons aussi humblement
dans l'obéissance. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur voudrait que son peuple soit édifié aujourd'hui sur un thème. Le chrétien est le reflet de Christ. Le chrétien est le reflet de Christ. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Le chrétien est le reflet de Christ. Le chrétien est le reflet de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, j'ai le nom de Jésus. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Le chrétien est le reflet de Christ. Le chrétien est le reflet de Christ. Vous voyez, ces mots chrétiens, peuple de Dieu, a été attribué aux disciples du Seigneur Jésus lorsqu'ils le suivaient. Alléluia. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont donné les noms. Ces chrétiens ou se sont appelés chrétiens. C'est parce que les gens qui les entouraient, ils les voyaient se comporter, ils les voyaient faire, ils les voyaient marcher avec Jésus. Ils faisaient comme le maître. Et ils les appellent, ce sont les chrétiens parce qu'ils font et comme le maître. Alléluia. Et nous aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous portons ce mot chrétien. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Est-ce qu'il y a d'autres qui disent, quand tu es chrétien, tu dis non, je suis disciple. C'est vrai, tu es disciple. Chrétien, c'est un mot biblique. Alléluia. Si je suis chrétien, est-ce que je veux douter de ces noms? Est-ce que je veux ou avoir la honte de ces noms qu'on m'appelle chrétien? Mais malheureusement, beaucoup se cachent, ils cachent ces noms. Quand on le dit chrétien, ils veulent se cacher. Mais si tu es chrétien, effectivement, tu es chrétien. Alléluia. Parce que Christ t'a sauvé, Christ t'a transformé, Christ t'a modélé. Et comme Christ a modélé, tu es chrétien et tu fais comme lui, qui est ton maître, lui qui est ton sauveur. C'est lui qui t'a tracé le chemin. Alléluia. Le chrétien est le reflet de Christ. Vous voyez, peuple de Dieu, nous vivons la fin des temps. Où il y a tellement de choses, de confusion. Des confusions à un niveau où l'homme même n'arrive pas à comprendre. Des confusions à un niveau où ça dépasse l'entendement humain. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, des scandales, des choses horribles. C'est dans la maison de Dieu qu'on va voir ce genre de choses. Mais on se demande, mais c'est quel genre de chrétien, c'est quel genre de cette non-statue chrétien que les enfants portent. Quand vous voyez, mais ça ressemble, on ne connaît même pas. Quand tu parles à quelqu'un, il va te dire, moi je suis chrétien aussi comme toi. Oui, tu es chrétien, moi je suis aussi chrétien comme toi. Mais quand tu regardes le fruit que la personne parle, quand tu regardes, c'est-à-dire son témoignage, ça ne ressemble à rien. C'est un pire païen, même pire prostitué. Vous voyez donc, ces noms servent à quoi? Ces noms te servent à rien. Ça ne vaut même pas la peine de porter ces noms chrétiens parce que ça ne te sert à rien. Chrétien est le reflet de Christ.
Nous vivons la fin des temps où il y a tellement d'apostasie et de séduction. Et tous ces gens qui font des désordres, ils vont te dire qu'ils sont des chrétiens. Ils vont te dire qu'ils sont des chrétiens. Mais les chrétiens, quels sont alors le fruit dont vous portez? Quels sont alors le fruit dont tu portes? Quel est le témoignage qu'on peut rendre de toi en tant que chrétien? Est-ce que ta vie ressemble à la vie de Christ? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est conforme à ce que Christ nous a donné comme prescription divine? Ce que tu poses comme action, est-ce que c'est conforme à ce que le Seigneur Jésus te donne comme prescription divine? Ce que tu fais, est-ce que ça reflète la vie de Christ, toi en tant que chrétien? Ce qui sort de ta bouche, ce que tu dis à ton prochain, est-ce que ça ressemble à Christ? Parce qu'être Christ, c'est également, c'est-à-dire savoir comment parler, savoir comment sortir et dire le mot et le placer. Est-ce que ça reflète la vie de Christ? Ce que tu vis, c'est-à-dire ta vie quotidienne, est-ce que ça reflète la vie du Seigneur Jésus? Qui est ton modèle? Qui est ton exemple à suivre? Mais malheureusement, quand vous voyez dehors, c'est n'importe quoi. C'est tout un désordre et tout un mélange. Et pourtant, on dit qu'ils sont les enfants de Dieu. Vous voyez, fait quand je suivais, je ne sais pas si c'était un débat. Un musulman raisonne, c'est-à-dire un chrétien, au sujet du port de voile. Et les chrétiens lui disent que le port de voile là, ce n'est pas biblique. Mais le musulman lui raisonne, c'est écrit même dans votre Bible. Tout comme c'est dans le Coran, c'est écrit dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui parle du port de voile. Vous voyez? Et on dit qu'on est chrétien. Et ce genre de personnes, c'est des personnes qui s'élèvent, qui poussent comme des champions. Quelqu'un va s'élever à un beau jour que lui, il est appelé, c'est pas, il est prophète ou lui, il est bishop. Qui sortit surtout? Mais exercer un ministère, ce n'est pas. Quand ce n'est pas un amusement ou ce n'est pas n'importe quoi, vous voyez, c'est tellement de désordre. Et à la fin, le Seigneur va le dire, je ne vous ai jamais appelé. Tu n'as été jamais appelé à exercer ce ministère. Si ce n'est pas ton pouvoir, va t'occuper de ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Que te porter, que te porter, c'est un jour, quelque chose que toi-même tu ne vas pas t'en sortir. Est-ce que les chrétiens du 21e siècle, est-ce que leur vie reflète la vie de Christ? Comme les chrétiens le premier est. Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Tu dois te poser la question. Ta vie d'une manière générale, est-ce que ça reflète la vie de Christ? Ce que tu fais, est-ce que Christ apprécie? Ce que tu poses comme acte, tu dois te poser la question. Est-ce qu'il y a l'intérêt du Seigneur Jésus dans ce que tu fais? Ce que tu poses comme action, comme acte, est-ce que ça reflète la vie de Christ? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la sainte doctrine? Est-ce que c'est conforme aux prescriptions divines? Oui, yes. Vous voyez, il y a tellement de choses au peuple de Dieu. Et nous vivons la fin des temps, effectivement. Et le Seigneur voudrait que les enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont réellement nés de nouveau, doivent, c'est-à-dire avoir, c'est-à-dire un reflet, refléter la vie de Christ. Et toutes ces personnes, quand vous allez voir, quelqu'un va dire, je suis né de nouveau. Mais quand on le voit en rien ce qui est né de nouveau. Mais c'est quelle nouvelle naissance ça?
La nouvelle naissance, ce n'est pas parler de ce qu'il dit. C'est une réalité. C'est ce que tu vis qui est conforme à la volonté de Dieu. Ce que tu dis. Ce que tu penses comme acte. Tout ça là, c'est tout ça qu'on peut voir effectivement. Celle-ci est née de nouveau. Mais si on ne voit pas, mais tu n'es pas né de nouveau, tu dis tu es né de nouveau, mais réellement, tu n'es pas né de nouveau. On voit encore, c'est-à-dire le vieil homme, la vieille nature, c'est encore là. Si ces choses sont encore là, comment donc on peut entrer au ciel? On peut entrer au ciel comment? Porte même tous les noms ou tous les titres qui sont dans la Bible. Si ta vie ne reflète pas la vie de Christ, tu ne peux pas entrer au ciel. Même si tu chantes, tu pries, comme nous sommes là, et puis tu fais semblant de l'apparence de piété, mais en réalité, c'est lié à rien. Ça dit, tu perds ton temps. Je dis en vérité. C'est que tu perds ton temps. Vous voyez les chrétiens de l'église primitive. Lisez les épîtres, Actes des Apôtres. Quand vous voyez leur vie, quand vous voyez ce qu'ils faisaient, parce que c'est par rapport à tout ce qu'ils faisaient que les pharisiens, tous ces gens, les contemporains, à l'époque, on les appelait des chrétiens. Parce qu'ils se comportaient comme des chrétiens. Quand on le voit, sa vie, il n'y a pas la différence. Sauf les petits Christ. Parce que c'est Christ qui les a transformés, qui les a engendrés. Et ils ressemblent. Pour leur mode de vie, c'est à Christ. Parce qu'ils ont reçu de Christ, qui est leur modèle, qui est leur maître. Qui est leur maître? Tu vas voir quelqu'un dire non, moi je suis chrétien, non, moi je suis pasteur, je suis prophète, mais quand tu vois, ne serait-ce même son apparence, ça dit tout. Nous avons le discernement. Nous avons le discernement. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui dit, ça dit, il est insécurité, tu vois, ça dit, le lorsque, il y a plusieurs qui se disent, ils ne sont même pas des hommes de Dieu, on ne peut pas les appeler un homme de Dieu avec les lorsque. De l'os sur la tête, c'est-à-dire le cheveu, c'est le cheveu long. Vous voyez, mais c'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de serviteur? Et les gens vont le suivre. C'est vrai que les péchés sont des modèles, mais le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, c'est que tu fais, ça doit refléter la vie de Christ. Parce que tu représentes Christ et tous les âmes que tu es en train de le conduire, quand ils te voient, ils voient la vie de Christ parce qu'ils voient en toi, c'est-à-dire Christ la lumière. Ils voient en toi, c'est-à-dire la vie de Christ. Quand ils te voient, ils voient, c'est-à-dire tu es un homme. On voit en toi, c'est-à-dire la vie de Christ, la transparence. On voit en toi, c'est-à-dire la justice. On voit en toi la vérité. On voit en toi, c'est-à-dire la lumière brille. Et quand ils voient, c'est-à-dire ils te prennent comme un modèle. Si on te prend comme un modèle, ce n'est pas un péché. Alléluia. Les chrétiens, eux, le reflet des Christ. Tu vas te poser la question, est-ce que réellement moi, est-ce que ma vie, est-ce que je suis vraiment le reflet des Christ? Est-ce que ma vie reflète la vie de Christ? Vous voyez dans plusieurs milieux, c'est où il y a tellement de confusion parce que les gens se sont détournés de l'évangile du Christ. Et beaucoup de personnes sont détournées de l'essentiel, sont détournées de la vérité pour avaler le mensonge. Pour tel le monde chrétien,
c'est pas seulement venir ici, prier, nous prions, nous chantons. Non, c'est une vie. C'est un mode de vie. C'est une réalité. Ça, c'est de toucher de toi. Alléluia. Être chrétien, c'est de toucher de toi. Le toucher de toi. C'est que nous prêchons là. C'est une vie et c'est ce que nous devons vivre. C'est une vie, c'est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par rapport au reporter, voici le chrétien. Voici celle-ci, elle est chrétien. Celui-ci, il est chrétien. Parce qu'on voit en toi la lumière. Ce que tu vis, c'est une vie de Christ. Alléluia. Ce que tu as appris et tu le mets en pratique. Vous voyez, une bien-aimée me dit, en fait, elle avait prêté l'argent chez quelqu'un. Malheureusement, c'est un païen, n'est pas chrétien, mais elle lui a remboursé. Et après, il a eu une confusion où il a oublié. Quand il la rencontre au marché, il lui dit de lui payer son argent. Elle lui dit non, elle lui a déjà payé. C'est devenu une discussion. Quand c'est devenu une discussion, lui aussi, il lui donne un coup de gifle. Bam! Quand il lui donne un coup de gifle, elle est chrétienne, Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que ce que nous lisons, nous devons le mettre en pratique. Ça peut arriver. Tout ce que nous lisons, tu peux vivre ça un jour dehors. Alléluia. Amen. Elle aussi, à son tour, qu'est-ce qu'elle devait faire? Comme il a giflé, elle tourne l'autre jour. Il gifle, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais c'est arrivé à l'acte, c'est-à-dire à la pratique. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi produit, suivi, et puis elle. Après, ça devient la bagarre. Aïe, aïe, aïe. Et après, maintenant, le Saint-Esprit maintenant lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh. N'est-ce pas, tu portes le nom des chrétiens, c'est pas ce qui est écrit. Oh. Tu sais réellement, tu l'as remboursé, mais si tu as giflé, il n'y a pas de problème. On ne rend pas le mal, pas le mal. C'est là où elle a pleuré. Elle a pleuré amèrement. Quand elle me raconte ça, j'entends la parole. Je dis, mais c'est ce que la parole, j'ai dit. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous faisons là, c'est la réalité. On doit vivre ça. On doit vivre ça. Tu vois donc, ce que tu as, alors que tu connais que c'est écrit. Vous voyez. Ça peut arriver. Si ça arrive, il faut effectivement que tu montres que tu es chrétien. Alléluia. On te gifle. Tout l'autre jour, il gifle également. Quand il a giflé, est-ce qu'elle était morte? Ça veut dire pousser par la chair. Et puis, elle aussi, la plante, elle veut aussi te prendre. Tu me gifles que ça a commencé comment? Alors que j'ai remboursé. Les chrétiens doivent être le reflet de Christ. Alléluia. Le reflet de Christ. Voyez, quand on parle de Christ, Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Voyez, à l'exemple de Christ. Si tu es un chrétien, tu dois avoir une vie qui doit refléter la vie de Christ. Qu'est-ce que Christ même lui-même a fait? La nature, c'est-à-dire que Christ a une nature parfaite. Tout ce qui est porté sur Christ, tout ce qui est qu'il a revêtu. Et les chrétiens également doivent répéter, doivent porter ces choses sur eux. Et ce sont ces choses-là qui sont très importantes, qui doivent nous caractériser. Alléluia. Qui doivent nous caractériser. Voilà le premier élément. C'est revêtir de la nature de Christ. Lisons Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 44. Verset 34. 34, dis-nous au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 37. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez, la Bible parle, tous connaîtront. Tous l'ont aimé pour qui? La Bible n'a pas précisé. Tous connaîtront. Si vous aimez les uns les autres, s'il y a l'amour en toi, et cet amour, tu le manifestes avec ton prochain. Alléluia. Qui peut être ton frère en Christ? Qui peut être ta soeur en Christ? Qui peut être ton frère dans le sang? Qui peut être ta mère? Qui peut être ton voisin? Tu dois l'aimer. Si donc, nous les chrétiens, nous portons ces statuts chrétiens et que nous aimons les uns les autres, tout cela qui nous entoure, nos voisins, nos contemporains, et tout cela nous sont en train de nous observer. Et la Bible a saisi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Si vous aimez les uns les autres, voilà l'un des éléments qui nous caractérise, qui caractérise les enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu s'aiment? Vous allez voir dans plus dans le cœur. On déteste l'autre. N'est-ce pas, on chante Jésus-Christ est amour. Alléluia. Il est l'amour. S'il est ton amour et il nous donne ses commandements nouveaux, de s'aimer les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas, comment donc ceux-là qui nous entourent, ou même le païen, comment reconnaîtront-ils que nous sommes des chrétiens? Comment les pharisiens, les sadducéens, tout cela qui entourait les chrétiens de première, comment donc ils ont donc reconnu que ce sont les chrétiens, les disciples du Seigneur? C'est parce qu'ils ont également vu qu'il y avait l'amour qui se manifestait au milieu de nous. Alléluia. Ils ont remarqué, ils ont constaté qu'effectivement ces gens-là, ils s'aiment. Même comme on les insultait, on les méprisait, on les chiffonnait, mais ils aimaient toujours. Alléluia. Voilà l'une des éléments qui donne la nature du Seigneur Jésus, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Même sur la croix, il a continué à aimer. Amen. Même sur la croix, est-ce que Jésus ne pouvait pas se défendre? Même devant Ponce Pilate, devant Héron, il pouvait se défendre. Mais tout ça, il les aimait. Alléluia. Quand vous lisez le passage où, quand les gens sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre était avec lui, Pierre a pris son épée. Il a coupé, tranché. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Voyez, ça vous marque tellement. Vous voyez, c'est à un niveau que l'amour du Seigneur Jésus est tellement profond et grand à un niveau. Oh yes! À un niveau. Ça dit, qui peut te faire ça? Et c'est ça que le Seigneur veut que les chrétiens doivent le faire. En tant que chrétien, tu dois aimer. Alléluia! L'amour doit te caractériser. Et c'est par là qu'on reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu, que tu es chrétien. Chrétien. Vous voyez, l'amour est tellement grand. Si nous prenons seulement cet élément qui caractérise la nature du Seigneur Jésus, c'est déjà un message, c'est profond. On peut même passer toute la journée. C'est trop profond. Comme toi-même. Jésus a aimé ses ennemis. On l'accusait, on l'insultait, mais il les aimait. Il les aimait. Il aimait tout le monde. Vous voyez, la vie du Seigneur Jésus, sa nature, c'est l'amour. Quand vous voyez son parcours, lisez le passage. Lisez vraiment pour comprendre.
Vous voyez les pharisiens, selon la loi, ils ne veulent pas se mêler, c'est-à-dire être ensemble avec les publicains. Les publicains, ce sont les collecteurs d'impôts. Avec les païens, parce que pour eux, ce sont des personnes qui ont de mauvaises vies. De mauvaises vies. Ils ne doivent pas se mêler, ils ne doivent pas être ensemble. Mais Jésus-Christ est venu, il est venu entrer chez le publicain et manger à table avec lui. Alléluia. Ça, c'est également pour casser le zèle. Amen. Parce qu'on est en Christ, comme nos parents ne sont pas en Christ. Ils sont dans leur tradition. On doit les détester. Non. Tu ne dois pas les détester. Alléluia. Pour être chrétien, tu n'es pas sorti, c'est-à-dire du ciel et tombé pour devenir chrétien. Non. Tu es sorti quelque part. Alléluia. Il y a ton origine. Tu es sorti d'une famille, quelque part. Et tu dois reconnaître qu'ils sont quelque part. Même s'ils ne sont pas dans la foi, tu dois les aimer. Alléluia. Et la Bible dit, aime tout le monde, aime ton prochain. Ton prochain, c'est également ton père, qui est encore dans sa tradition. Malgré qu'il est dans sa tradition, mais il est ton père. Ton père génitaire, il est ton père, c'est de lui que tu es sorti. Tu es sorti de ses entrailles. Alléluia. Tu dois l'aimer. L'amour est profond. Et l'amour également doit se manifester au milieu des saints, au milieu de nous. Alléluia. L'amour doit être accompagné également des actes. C'est très important pour vous le dire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ça qui va nous caractériser. C'est-à-dire les enfants, les chrétiens du 21e siècle, à la veille du retour du Seigneur Jésus. Et le diable ne veut pas que nous reflétons la vie de Christ par l'amour. Il ne veut pas. Il veut que l'amour disparaisse au milieu des saints. Pour qu'il y ait des divisions, pour qu'il y ait des problèmes, pour qu'il y ait des querelles. Et quand il y a ces choses, le diable est content. Non. L'amour que nous confessons, que nous parlons de nos bouches, doit être accompagné également des actes. Alléluia. C'est très important pour le peuple de Dieu. On peut peut-être parler d'un cas qui concerne la vie de l'Église. Alléluia. L'Église, c'est une vie. C'est un fonctionnement. Quand il y a un cas, et par amour, on doit faire, on doit manifester. Alléluia. Chacun doit manifester. Chacun doit se manifester. Quand c'est Jésus, quand nous le faisons, les païens là sont en train de nous observer. Alléluia. En train de nous observer. Je me rappelle, c'était à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était mon épouse ou la seconde. Voilà ce que le docteur nous disait, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a plusieurs soeurs qui sont venues, c'est-à-dire rendre visite à mes soeurs et prier. Tout ça. Ils étaient là, ils observaient. Mais vraiment, votre église, vraiment, on sent qu'il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment l'amour. Vous voyez, c'est dans ces petites choses où le païen peut reconnaître effectivement qu'il est chrétien. Non, la manière dont vous faisiez, c'est pas comme les autres. Vous êtes vraiment des chrétiens. Qui est chrétien? Quelqu'un peut te demander, qui est chrétien? Oui, je suis chrétien. Non, ça ne signifie pas. Tu es vêtement chrétien. La manière dont on te voit, tu es différent des autres. C'est que tu es différent des autres. Effectivement, tu es chrétien. Alléluia. L'amour au milieu de nous. Et cet amour doit se répandre dehors. Même dans ta famille, tu dois les aimer. Alléluia. Quand un jour il y aura une situation, ils vont se rappeler de toi. Quand il y aura une situation difficile, ils vont dire que non, celui-ci, il faut l'appeler.
parce qu'on voit en lui du sérieux. Alléluia. Vous voyez, donc, même s'il ne vient pas, n'est-ce pas, le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour toi, tu as manifesté l'amour ou tu as posé des actes. Et ces actes, ça parle. Et tu as également évangélisé. Alléluia. Amen. Tu as évangélisé par les actes, par les gestes que tu as posés. Cette évangélisation, ça marque beaucoup. Ça marque beaucoup. Et la personne va se rappeler plus tard de ce que tu lui avais fait. De ce que tu lui avais fait. Il peut se retrouver dans une situation où au point même, il réfléchit et il t'appelle. Il t'appelle. Qui veut vraiment suivre ton Dieu? Alléluia. Il veut suivre ton Dieu. Tu veux suivre ton Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Si la personne te dit que vraiment ce que tu avais fait depuis longtemps, il n'a pas oublié. Et il t'appelle. Il te le rappelle. L'amour envers le prochain. L'amour profond. Voilà l'une des caractéristiques du Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur veut qu'en tant que chrétien, tu dois te revêtir de l'amour. Alléluia. Porter l'amour. Ça ne doit pas seulement se limiter à ce que nous disons. Ça doit s'étendre dans tout ce que nous posons comme action, comme acte. Ça doit s'étendre dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Le chrétien est le reflet de Christ. Le chrétien est le reflet de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Voilà l'une des choses qui caractérise le Seigneur, notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur veut qu'en tant que chrétien, on doit vraiment le revêtir, c'est-à-dire imiter. Alléluia. Nous devons imiter le Seigneur Jésus. Lisons Colossiens, chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12, je le nom de Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. La Bible nous dit verset 12, et aussi donc comme des élus de Dieu, les saints et les bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et le peuple n'est pas avec moi. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Alléluia. Quand vous voyez la vie de Christ, c'est quoi l'humilité? C'est pas l'humilité. Et le Seigneur veut que les enfants de Dieu doivent être humbles en toutes choses. Alléluia. Si vous êtes humble, même dans le milieu de cette société, alléluia, soyez humble, humiliez-vous. Soyez humble. Et si vous êtes humble, l'élévation va arriver. Le secret de l'élévation, c'est l'humilité. Amen. C'est l'humilité, je vous assure. Amen. Voilà l'une des choses qui doit nous caractériser en tant que chrétien. On doit voir le reflet de Christ. Qui est l'humilité? Nous devons imiter. La vie de Christ, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Est-ce que les chrétiens du 21e siècle, est-ce qu'ils sont humbles? Quand vous voyez, c'est-à-dire les déchirures, les divisions, tout ça, c'est normal, c'est parce que qui
Chacun veut, c'est-à-dire qu'il veut se voir. Il veut que c'est lui seul. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui parle. Tout ça, ça sert à quoi? Vous voyez, c'est-à-dire même qui veut c'est la guerre de leadership, les divisions, tout ça c'est parce que les gens ne sont pas humbles. Tout ça c'est parce qu'il y a l'orgueil. Et l'orgueil est du diable. Personne ne veut se soumettre à l'autre. L'autre veut être au-dessus de l'autre. L'autre veut dire que lui il connaît. L'autre veut dire que c'est lui qui parle. Il faut que tout le monde l'entende, que c'est lui. Tout simplement c'est parce qu'il y a l'orgueil. C'est parce qu'il y a l'orgueil. Voyez la vie des apôtres après le Seigneur Jésus, quand il est parti. Ils étaient tous là. Alléluia. Maintenant, parmi eux tous, pour les apôtres, le Seigneur a donné la clé à qui? À Pierre. Il a donné la clé à Pierre. Est-ce que les autres sont levés? Pourquoi c'est seulement à Pierre qu'il donne? Non, c'est comme ça. Le Seigneur a choisi, il a choisi. Il n'y a pas de. De discussion. Non. Et tout le monde s'est soumetté. Parce que c'est à Pierre qui lui a remis la clé, c'est-à-dire la responsabilité, lui a confié la direction de l'église. C'était celui lui le chef parmi eux tous, c'est Pierre. Qui peut-être, c'est-à-dire donner les derniers mots, c'est-à-dire dans les décisions, c'est pas nous. De la vie de l'église, c'est à Pierre. C'est Pierre, lui qui était le responsable, le chef. Et tous ensemble, mais c'est lui. Est-ce que les autres se sont rebellés? Non, pourquoi seulement à Pierre? Ou Matthieu pouvait se lever? Pourquoi pas moi? Mais et tous, ils se sont soumis. Ils se soumettent tous simplement pour que l'œuvre de Dieu avance. Si le Seigneur a jugé bon, que ce soit bien, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà même que Jean-Baptiste l'a dit. Ah! Jean-Baptiste l'a dit, que Jésus soit élevé et que lui soit diminué. Amen. Il soit diminué. Ça veut dire que qui va dire ça? Et pourtant, Jean-Baptiste était aussi prophète. Il pourrait dire que moi je suis aussi prophète, mais il dit que non, celui-ci-là, il faut qu'il soit élevé. Il faut qu'il soit élevé. Si c'est pas si c'est des promotions, il faut qu'il ait des promotions. Il faut qu'il soit élevé. Et il faut que le Seigneur le bénisse. Il faut que le Seigneur le bénisse dans son mariage. Il faut qu'il se marie. Il faut qu'il ait des enfants. Il faut qu'il ait des opportunités. Il faut qu'il ait des avantages. Qui peut faire de nos jours? Parce que quelque part, l'intérêt a également rempli le cœur. L'orgueil. L'orgueil est dangereux. Vous voyez, c'est ceux qui voulaient tuer Naaman. C'est ceux qui voulaient tuer Naaman. Quand le prophète, c'est Élisée. Où c'est Élisée? Dis à son serviteur d'aller dire à Naaman, comme tu es venu à Jérusalem. Tu es venu, nous avons nos rêves, nos principes. Dis-lui, pour qu'il soit guéri, qu'il va se plonger, c'est quoi, cette fois, dans le Jourdain. Mais il regarde autour de lui, il regarde, c'est-à-dire sa corde, c'est-à-dire l'escorte. L'escorte derrière lui, devant lui, parce qu'il était une autre personnalité. C'est un général de corps d'armée. Après le roi Cyril, c'est lui qui parle. Il avait un rang élevé, c'est-à-dire du pays. Mais, c'est-à-dire ma personnalité, c'est-à-dire avec tous les attributs, le crâne, les médailles, tout ce qu'il porte. Je dois aller me plonger dans le fleuve Jourdain. Mais c'est comment? Est-ce qu'il n'y a pas le fleuve dans mon pays que je commande? Est-ce qu'il n'y a pas les rivières dans mon pays que je commande? Il s'est irrité. Comment? Il
dois me dire d'aller plonger. Moi, je pense en tant que prophète homme de Dieu, tu dois peut-être prononcer les paroles, tu dois faire. Et je suis guéri. Non. Vous voyez, l'orgueil, c'est son soldat, son serviteur, qui est venu lui supplier, maître, Seigneur. Est-ce que le prophète là t'a demandé de l'argent comme le faux prophète le font? Est-ce qu'il t'a demandé, c'est pas de donner des présents comme les autres le font? N'est-ce pas, tu es une grande personnalité, tu as beaucoup de richesses, des milliards. C'est que tu as dépensé partout, partout, partout chez le faux prophète. N'est-ce pas, tu n'étais pas guéri? Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Seigneur? Mon patron. L'homme de Dieu t'a dit d'aller simplement te plonger cette fois. Ça va enlever quoi sur toi? N'est-ce pas, c'est toi qui seras guéri? C'est là où lui entre en lui-même. Ah, ah, je comprends. Je comprends. Ce que tu dis, c'est vrai. Je comprends. Je comprends. Ça diminue. Ça diminue. L'orgueil diminue. La fureur diminue. C'est là où il pardonne. Plongeur. L'autre éternel. Boum! Dans l'eau. Boum! Dans l'eau. Boum! Dans l'eau. Jusqu'à cette fois. Ah! Toi, c'était comme ça là. Toi, c'était comme ça. Il te vient, c'est dit, sans sa peau. Ah! C'est là où il reconnaît. Je reconnais maintenant. Je reconnais. Sur toute la terre, le vrai Dieu, c'est en Israël. C'est Dieu-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Je reconnais sous la terre, dans le ciel, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Vous voyez, l'orgueil, son orgueil a été englouti dans l'eau. Frère Jourdain. Vous voyez, l'orgueil, il suffit simplement qu'il s'humilie. Il fallait que son orgueil soit brisé. Soit brisé. Pour qu'il épouse l'humilité. Pour qu'il soit revêtu de l'humilité. Vous voyez qu'il est en train d'être dans son pays. C'est-à-dire avec témoignage parce qu'il a rencontré le vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a rencontré le vrai Dieu. Amen. Vous voyez l'humilité, l'humilité tue, ça tue. Oui, l'orgueil tue. Et c'est ça que le Seigneur veut, que ses enfants, partout là où tu vas te retrouver, soient humbles. Alléluia. Même si dans la société tu vois que tu as une grande statue, c'est vrai. Alléluia. C'est pas l'amour et ton humilité que les gens vont te respecter, parce que c'est toi. On voit tout ça dit et la transparence, tu seras beaucoup respecté, vous assure. Parce que l'humilité va faire de tout ça un grand homme, va faire de tout ça un homme respecté. L'humilité va faire de toi, c'est-à-dire un homme qui a tous ses sens. Yes. Et qui connaît comment manager les choses, qui connaît comment, c'est-à-dire arranger les choses, qui connaît comment trancher les choses, qui connaît comment résoudre les choses. C'est très important l'humilité. Si donc tu es chrétien et que tu n'es pas revêtu de l'humilité, on ne voit pas encore l'humilité. Il faut encore travailler. Il faut encore travailler. Nous caractériser. Ça doit nous caractériser. Voyez dans la Bible, tous ceux qui étaient orgueilleux, ils sont finis, c'est-à-dire mourir, ils sont morts. D'autres sont morts, c'est-à-dire des morts bizarres. À l'exemple de Héro. Héro. Oui, c'est Hérode, on le voit Hérode. Il est mort et rongé par le ver. Mort, rongé par le ver. Et Nebuchadnezzar, Dieu l'a chassé du palais présidentiel.
c'est-à-dire devenir quelqu'un de bizarre. À cause de l'orgueil. Tous ceux-là qui se sont levés, c'est-à-dire dorgués, tout ça là, la chute très profonde. C'est comme ça. Même les enfants de Dieu, que tu sois homme de Dieu, que tu sois qui, c'est tellement l'orgueil à un niveau. C'est que ta chute là n'est pas loin. Ta chute là, c'est point déjà l'horizon. Et tu dois écouter, tu dois revenir. Tu dois revenir. Pour comprendre que l'humilité est très importante. Parce que si tu n'as pas en toi, tu n'es pas chrétien même. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans tes qualités, c'est d'être chrétien. Parce qu'on ne voit pas encore l'humilité. Si on voit encore, c'est l'orgueil et les caractéristiques d'orgueil. Pas tes actes, c'est pas quoi, pas ta manière de faire tout ça. Si on voit encore, c'est l'orgueil. C'est effectivement, ta vie ne reflète pas la vie de Christ. Oui, tout simplement, ta vie ne reflète pas la vie de Christ. Et si tu ne fais pas attention, ta chute n'est pas loin. C'est comme ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Que tu sois, c'est-à-dire enfant de Dieu, que tu sois qui, il résiste aux orgueilleux. Et point très. La parole de Dieu a dit, point. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si tu es humble dans toutes tes actions, dans tous tes gestes, dans toute ta parole, dans tout ce que tu fais, dans tout ton comportement, dans tous tes caractères, sache que Dieu est content, il te bénit, il va te bénir. Toi-même, tu vas voir, ce sont les fruits de ce que tu fais. Et Dieu est content. Revêtez-vous d'entrailles d'humilité. Quand vous voyez les guerres, tout ça parce que les gens, les guerres, les barrages. Il y a un temps, il y avait une église à Passos. On a fermé, on a scellé. Ils croient que peut-être qu'ils connaissent l'église. Oui, à Passos, l'église, cette fois-ci, c'est l'église évangélique. Non loin de Travers Bastos. Voilà, il y a d'autres qui sont au courant. Vous voyez, on a fermé ça, on a fermé l'église. Mais comme c'est tout récemment qu'on a ouvert l'église. Parce qu'il y a eu des scandales là-bas. Tout simplement parce que personne ne veut se sauver. Même qui se dit veut être, ça veut dire la tête. L'être qui veut être la tête, ça veut dire les gens s'échappent, c'est déchiré la bagarre. C'est tout un scandale désordre. C'est comme le gouvernement, ils sont venus sceller. C'est comme ça. Non, pensez que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes la lumière, vous êtes censé montrer l'exemple, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi même le gouvernement, les forces de l'ordre, enseigne les enfants. Les enseigne. Voyez ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est n'importe quoi. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Quand ça arrive comme ça, ça dit que quand ils vont faire des enquêtes, ils vont vous prêcher. Quand ils vont vous solliciter, ils vont vous prêcher. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Quelle est alors la différence entre un païen et un chrétien? Ils vont vous solliciter là. Vous voyez donc que, à cause de vous, de toi, le nom du Seigneur Jésus-Christ est insulté. Ils vont voir toi, mais tu es un païen, tu n'es pas un chrétien. Vous dites, mais c'est un chrétien, se comporte comme ça. Non! N'est-ce pas, vous passez votre temps, c'est nous le païen, c'est nous, vous n'êtes plus que païen. Tout simplement parce que tout le monde était orgueilleux. Ça a commencé par les leaders, les dirigeants, qui se cachent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On appelle la police. Alors on les menotte. Oui, c'est ça. On les menotte et après on scelle l'église. On scelle. C'est grave. Et tous ces gens-là, ils vont dire que non, nous sommes des chrétiens, nous voulons aller au ciel. Quel ciel? Est-ce que votre vie là, reflète la vie de Christ? On ne voit pas en vous l'humilité. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Christ, c'est l'amour. Mais ce que vous faites, il n'y a rien, c'est des païens. Il faut oublier le ciel.
c'est très important, peuple de Dieu. Revêtons-nous d'humilité. Revêtons-nous d'amour. Ayons la vie de Christ. C'est ce que nous disons. Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Pose-toi aussi la question, est-ce que ma vie reflète la vie de Christ? Oui. Avant de parler de l'autre, renvoie cette parole sur toi-même. Yes. Alléluia. Renvoie cette parole sur toi-même. Après, je dis, est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Est-ce que toi-même là, quelle est ta vie? C'est comme ça. Toi-même, quelle est ta vie? Avant de dire à l'autre, alors que toi-même tu as des problèmes à arranger, il faut supplier le Seigneur pour que le Seigneur t'aide à arranger et à corriger ce comportement. Alléluia. Amen. Répétons de toutes ces choses. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 2 à 3. Éphésiens chapitre 4, verset 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. En toute humilité et douceur. Avec quoi? Avec patience. Vous supportant les uns les autres. Avec douceur, avec patience. Alléluia. Voilà l'une des choses également que le Seigneur veut que nous le répétons. La patience. Alléluia. Si Christ n'était pas patient, alléluia, mais c'est que l'enlèvement, la trompette a déjà sonné, alléluia, parce qu'il use de patience. Il use de patience. Il sait que si la trompette sonne maintenant, et toi particulièrement, ta vie n'est pas en or. Alléluia, tu n'es pas encore prêt. Et il y a encore les autres qui doivent également entrer dans le bateau. Alléluia. Il use de patience. Est-ce que tu es patient avec ton frère? Sois patient avec ton frère. Alléluia. Supporte ton frère. La patience. La patience est très importante. Alléluia. Je me rappelle, il y avait une maman, elle est musulmane. Et ça, les gens étaient alliés devant là-bas. Comme ils sont tellement pressés, même qui veut entrer. Elle était là, elle est restée tranquille, elle n'est pas dans le rang, elle est musulmane. Rien n'a dit musulmane. Pour elle, elle était en train de s'exhorter. Non, soyez patient. Pardon, ne faites pas de désordre. Patientez. Même qui s'en trouve à l'aide, tout le monde va passer. Patientez. Et j'étais là, j'ai observé. Mais cette maman n'a vraiment. Ça m'a beaucoup marqué, la patience. Elle a compris qu'en fait, ne fais pas le désordre. Il ne faut pas que ça devienne trouble. Patientez. Il faut que tu patientes quand l'autre finit et puis tu entres. La patience. La patience doit nous caractériser. Et ça doit se manifester dans tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Tu dois être patient. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas commettre des gaffes. Tu vas commettre des gaffes irréparables. C'est-tu la vérité? Si tu n'es pas patient, tu vas vite t'emporter et faire de n'importe quoi et regretter après. Alléluia. La patience. Les enfants de Dieu ne sont pas patients. Si Dieu
D'ailleurs, toutes les promesses là sont pour nous. Mais chacun a sa part. Si Dieu donc a voulu, il a géré. Qu'est-ce qui doit te rendre? Il faut peut-être séparer. En telle année, il faut être patient. Et si tu n'es pas patient, tu peux pas abandonner la foi. Parce que tu as demandé à Dieu ce que tu voulais. Et comme ce n'est pas accompli, tu peux partir. Ou peut-être non. Peut-être Dieu n'est pas ici. C'est mieux que tu n'es pas ailleurs pour chercher vraiment ce que tu peux demander. Mais tu pardonnes là. C'est pour ta perte. Parce que tu n'étais pas patient. Est-ce que c'est là dans la vie de Christ? Comme tu as demandé à Dieu, Dieu n'a pas répondu. Mais patience, patience. Sans poser, patience. L'autre personne, non, 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 non. Je ne fais pas de mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous voyez le peuple d'Israël, pour qu'il sorte de l'Égypte. Pour qu'il sorte de l'Égypte. Ce n'était pas facile parce que pour eux, quand Moïse est venu avec la bonne nouvelle, ils pensent que ça c'est demain, allez, ils vont partir. Mais ils se rendent compte que mais les tortures, ça ne fait que durer, ça ne fait que durer, mais jusqu'à quand? Et Dieu connaissait parce qu'il fallait que Dieu puisse manifester sa puissance afin que cela serve de témoignage pour toutes les nations. Amen. Alléluia. Il fallait qu'il patiente. Alors Dieu sait. Dieu sait, s'il était patient, il allait voir ce qui allait se passer. Et ceux qui sont patientés, ils ont vu les grands prodiges. Ils ont vu ça, la puissance de Dieu, de ce Dieu, en Égypte et sur toute la terre. Et la nouvelle s'est répandue sur toute la terre de ce qui s'est passé en Égypte. C'était des grands jugements. C'était des grands jugements. Quand on parle de jugement, il y a eu des jugements qui se sont passés sur la terre. Dieu voulait donc qu'ils soient patients. L'homme est impatient, l'homme ne veut pas patienter. Quand il témoigne que quand la chose soit là, il faut que la chose soit là. Il est pressé, pressé. Et le fait d'être pressé, trop pressé, trop pressé, tu vas entrer dans le trou. Et toi, tu vas regretter. Je vous raconte une histoire. Qu'un monsieur voulait voyager, quittant d'une ville pour une autre ville. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Dans le rendez-vous, là, je ne sais pas si c'était pour faire quoi, mais c'est un bon rendez-vous. Quand il vient le matin, parce que le rendez-vous était peut-être fixé à telle heure, il vient. Pour voyager à l'agence, il trouve que le premier voyage était déjà parti. La voiture qui devait voyager, partie, cette voiture était déjà partie. Donc, il commence à se lamenter, il commence à dire, mais pourquoi? Mais voilà, le rendez-vous est donné à telle heure. Voilà la voiture, il a raté, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il commence, il ne veut pas passer, il veut à tout prix. Maintenant, plus tard, on renvoie la nouvelle que la voiture qu'il a ratée là fait l'accident. Et lui-même là, qu'est-ce qu'il a fait? Il met ses genoux au sol pour prier, pour rendre gloire à Dieu. Et donc c'est comme ça là. Oui. C'est pour te dire que tout ce que Dieu a fait est bon. Alléluia. C'est vrai que tu as raté, mais si tu n'es pas mort, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'es pas mort, mais patience. Alléluia. Et Dieu savait pourquoi que c'est arrivé ici. Et il était pressé. Il voulait à tout prix. La patience doit caractériser les enfants de Dieu. Alléluia. C'est la nature du Seigneur Jésus. Compare le chrétien et le reflet de Christ, la patience et la nature du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a également la paix. Lisons Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18, je lis au nom de Jésus.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. La Bible n'a pas précisé avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Nous devons être en paix. Tu dois être en paix. Tu dois être, c'est-à-dire, tranquille avec tous les hommes. Alléluia. La paix du Seigneur Jésus. Même si tu sais que tu n'as pas terre, tu ne dois pas aller t'inquiéter ou avoir trop de soucis. Pourquoi? Tu dois être en paix. Alléluia. La paix. La paix du Seigneur Jésus. Voilà la nature du Seigneur Jésus. La paix. Il y a également le pardon. Le pardon également doit nous caractériser. Alléluia. Le pardon est très, 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 très important. Jésus-Christ nous pardonne. Jésus-Christ nous a pardonné. Alléluia. Même sur la croix, il a pardonné. Et il veut que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens du 21e siècle, nous devons nous pardonner réciproquement. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas ton frère, si tu ne pardonnes pas ta soeur, tu ne seras pas pardonné. Tu meurs, tu atterris tout droit en enfer. Parce que souvent on dit, peut-être c'est pas un petit chrétien, mais on néglige ce petit détail, le pardon. Alléluia. Le pardon. Quand il y a un différent, c'est un préjudice, c'est pas un problème, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Sous le pardon. Voilà l'âme redoutable que le Seigneur nous donne. Le pardon. Alléluia. Est-ce que le diable lui pardonne? Pour lui, c'est la haine, c'est la vengeance. C'est la haine, c'est la vengeance. Mais le Seigneur nous donne le pardon. Même quand il y a un problème, il faut demander pardon. Tu demandes pardon, le Seigneur oublie, tu oublies, tu avances. Alléluia. Vous voyez donc que le Seigneur ne nous a pas aidés, mais il nous a rendu, c'est-à-dire, la vie simple. Parce que lui-même, il est simple. Alléluia. La simplicité. Le pardon. Ça doit nous caractériser. Le pardon doit être sur nos lèvres. Il faut pardonner. C'est ça que les pharisiens voulaient lapider la femme qui a été, parce que pour eux, là, était suprême, flagrant délit. Il faut lapider selon la loi. Non! Il faut pardonner. Il faut pardonner. Sinon, on ne pardonne pas. Pourquoi donc Dieu fait de nous deux des ambassadeurs, les ministres de réconciliation? C'est pourquoi, parce qu'il y a réconciliation, il y aura toujours une tête de problème. Même dans ton foyer, et quand il y a un problème, comme il y a un problème, le mariage est déjà fini. Non! Comme il y a un problème là, c'est-à-dire c'est gâté. C'est-à-dire le mariage là, ça doit ça. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, pardon. On ne fait pas ça. L'homme est cher. La femme est chère. Ça peut arriver. Alléluia. Réveillez-vous. Asseyez-vous. Réconciliez-vous. Demandez pardon. On oublie. On avance. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme est incrédule, l'homme n'est pas vraiment facile. L'homme n'est pas facile. Je vous raconte une histoire. Il y avait un enfant de 5 ans. Il a commis une erreur. Sa mère l'a tapé. Il commence à pleurer, il pleure, il vient vers nous. Quand il vient vers nous, maintenant, il a cessé de pleurer. On lui dit, tu as déjà fini de pleurer? Il dit oui. Va auprès de ta mère. Demande-lui pardon. Dis-lui pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé.
qu'elle lui demandait pardon. Non, 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 non. Elle me tape, j'ai pas pour lui demander pardon. Tu dis non, va, va. Tu lui pardon, maman. Il a refusé. Ça nous comprend donc que c'est tout, tout petit, mais c'est dit, c'est dans son cœur que comme elle m'a tapé là, je ne vais plus lui demander pardon. Ah. Et vous savez, le pardon, c'est l'arme de tout temps pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est notre adénaire. Parce que si quand il y a un problème, si on ne demande pas pardon, le diable est content. Hein, parce qu'il sait qu'il y a déjà le problème dans le cœur. Et que la mort te surprend, c'est l'enfer. C'est bon. Mais quand vous vous réconciliez, là, c'est fini. Alléluia. Le diable, il échoue. Il n'aura pas le dessus sur vous. C'est parce qu'il y a le pardon, la réconciliation. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous donne ce ministère, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation. Alléluia. Voilà ce qui a caractérisé le Seigneur Jésus. Ayons le reflet de Christ, le ministre de la réconciliation. Le ministre de la réconciliation. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a également la joie. Amen. Peut-être au début la louange. Il y a d'autres qui ne louent, je ne sais pas, peut-être si les autres ont faim. Non. Même si tu as faim, tu es devant la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Oublie. Puis après, n'est-ce pas, tu vas rentrer et préparer et puis s'asseoir et manger bien. Amen. Amen. C'est la joie. Alléluia. C'est ça. Même c'est pas même faire l'effort d'être en joie. Voyez donc, quand un enfant de Dieu, un chrétien, c'est la joie. Même si tu n'as rien, mais alléluia. On va croire que peut-être celui-ci là, ou soit elle vit bien. C'est-à-dire elle vit bien. Ou soit tu as beaucoup de bourses, tu as de l'argent. C'est parce que tu es en joie. Mais c'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la joie du Saint-Esprit, tout simplement. Je n'ai rien, mais c'est la joie du Saint-Esprit. Et cette joie, tu es en train de transmettre. Alléluia. Tu la transmets. Aux autres, soyons toujours joyeux. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Jésus s'est penché un jour? Il y a des gens qui dorment l'évangile. Ils vont dire que, n'est-ce pas, Jésus-Christ a. Il a renversé, quand il est entré dans le temple du Seigneur, il a renversé le temple parce qu'il y avait des gens qui vendaient où il faisait la primaire. Non. Chaque chose a sa signification, a son interprétation. Alléluia. Mais Jésus, c'est aussi la joie, la simplicité, mais il est rigueur. Alléluia. Mais il est inadmissible que la maison de Dieu devienne. Et n'importe quoi, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on vend, c'est-à-dire des choses, des illusions dans la maison de Dieu. Soit disant l'obéir à d'autres même, vraiment. Il y avait une femme comme ça, malheureusement, cette femme est morte. Elle s'attachait à un faux prophète, au point où ça dit, elle est le seul autour de sa maison, c'est seulement le seul. Seulement de cette elle a l'eau que le faux prophète lui a donné. Ou même c'est dans sa maison là, c'est seulement la photo, ce faux prophète. Vous voyez, dans sa maison, faux prophète, l'idolâtrie. Comme ces genre de choses, si le Seigneur était encore là sur tous les apôtres, mais c'est comment? La maison de Dieu est devenue quoi? C'est des marchandises, mais quoi? C'est un centre commercial. Et, c'est grave. Ils vont dire que nous, ils sont des chrétiens. Mais ils sont des chrétiens. C'est de faux serviteurs. C'est ça. Ce sont des gens, des cas que la Bible dit, il faut les fuir. Même ils vont dire que non, viens ici. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Ne partez pas. Ça, c'est juste de faux pas, des mascarades. Même, ça dit, une mouche même ne peut pas être sauvée. Il faut les fuir. Ayons la vie de Christ, c'est très important. Si tu portes
comme c'est la nature de Christ, tu vis la vie de Christ. C'est que nous sommes en train de dire. Alléluia. Tu le mets en pratique ta vie et ton cœur est pur. Et la nature de Christ également, la sainteté. Toutes ces choses-là sont autour de toi. Je vois le ciel. Alléluia. Mais le ciel est là. Tu meurs une bonne mort. Tu meurs comme un héros et tu entres une fois au ciel. Ton âme entre une fois au ciel. Voilà les choses que le Seigneur veut que les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. On ne va pas te compliquer ou te dire quoi faire. Non. Non. Ça veut dire des choses simples, les toucher des doigts, de nous ouvrir, qui continuent autour de nous. Qui doivent nous amener à se préparer pour le ciel. La joie. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Ayez le sens de salutation. Alléluia. Salutation. Quand tu te lèves le matin, mais salut. Salut papa. Alléluia. C'est pas parce que vous êtes ensemble tous les jours qu'on se salue pas. Non. Il faut se saluer. Alléluia. Même les enfants également. Vous vous levez le matin, saluez le papa. Alléluia. Les enfants, vous dormez. Réveillez-les. Ne dormez pas. Alléluia. Mes amis, il faut saluer. Il faut saluer. Tu me suis. Jésus-Christ, c'est la salutation. Alléluia. Quand vous vous levez le matin, il faut saluer. Il faut dire bonjour maman, bonjour papa. Alléluia. C'est très important. Ça sont des choses que nous avons reçues du Seigneur Jésus et nous devons également les inculquer à nos enfants. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est la joie. La joie. Même si on n'a pas mangé, c'est pas peut-être depuis le matin. Non. Ne soyez pas la bouche et dit attaché, plus frustré parce qu'on a fait, on n'a pas mangé depuis le matin. Comme on n'a pas mangé, ce n'est que les mauvaises paroles qui vont sortir de la bouche. Non. Non. Alléluia. Et par là, l'une des caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ également, c'est le langage et tout. Alléluia. Le langage. Est-ce que ta manière de parler, ton langage, est-ce que ça reflète la vie de Christ? Alléluia. Est-ce que ça reflète la vie de Christ? Jésus, son vivant, il n'a jamais parlé, c'est n'importe quoi, non. Il parle, c'est selon la vérité, selon la justice. Et tout ce qu'il dit, qui sort de lui, c'est la parole. Alléluia. Tout ce qui sort de lui, c'est la vérité. Et c'est ça qui doit nous caractériser. Parce qu'on doit sentir que non, celle-ci, c'est que Dieu. Je crois à ce que Dieu. Alléluia. Parce qu'elle est véridique. Tout ce qu'elle dit est exact. Beaucoup des enfants de Dieu mentent. Beaucoup des enfants de Dieu mentent. C'est que tu n'as pas, c'est pas, n'a pas raison d'être, mais tu vas dire non. Et la Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et n'en parlons pas ceux qui peut-être prophétisent. Attention. Parce que Dieu prophétise, c'est vrai, tu as un don de prophétie. Mais si ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire, ou tu es en train de dire par toi-même, ou selon ton cœur, attention. Mais Dieu va dire, mais est-ce que j'étais envoyé, c'est-à-dire de parler, ou de prophétiser, mais si tu n'as rien, tais-toi. C'est mieux de garder le silence que de dire des choses qui vont te couper. Des choses qui vont créer ta propre force. Attention. Voyez, c'est le don de prophète. C'est un don aussi important. C'est un don aussi dangereux où les diables, c'est les esprits. Esprits des pitons, tout ça, c'est dit. Qu'est-ce ça? Attention, parce que tu ne fais pas attention. Pour te ramasser. C'est ça. Tu n'as rien à dire. Reste tranquille.
tranquille. Quand vous voyez, même les prophètes, ils ont le don des prophéties. Alléluia. Ils ne s'agit pas. Ils écoutent. Ils sont posés. C'est comme ça. Ils sont posés. Le Saint-Esprit ne fait pas de bruit. Et dans ça même, l'oreille encore revient. Parce que vous pouvez croire que non, tu as le don des prophéties où tu parles, c'est à toute l'église où tu es parleur, c'est pas quoi, porte-parole de l'église. Non, tu n'es pas porte-parole de l'église. Cet don-là, c'est le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne dois pas te sentir glorifié. Tu fais attention, cet don-là peut rater le ciel. Alléluia. C'est que la Bible dit tous les dons vont finir. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est éternel. Amen. C'est éternel. Amen. Les dons, c'est bien, c'est pour le fonctionnement, le perfectionnement du corps de Christ. Alléluia. L'Église avance avec tous ses dons. Mais il veut que ces dons soient gérés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aller faire ce que Dieu ne t'a pas mandaté de le faire. Tu le fais, c'est que ton petit pote, c'est ton propre chemin. Attention, faisons très attention. Parce que Dieu va te dire, je ne t'ai jamais envoyé de prophétiser. Tu parlais, c'était ta pensée. Dieu ne t'a jamais dit. Ou c'est mieux de dire. Ou peut-être, ou tu n'as pas quelque chose, voilà ce que mon cœur, ce que vient dans mon cœur, voilà ce que je pense. Et non, Dieu, ce que Dieu m'a dit, oh Dieu ne t'a pas dit, c'est venir de ton cœur. Attention. Attention, Dieu t'a dit comment? Si Dieu te pose, que tu dis que Dieu m'a dit. Je t'ai dit, c'était quand ça s'est passé, comment? Tu vas répondre comment? Vous voyez donc que le fait c'est de presser pour se faire voir, mais tu ramasses le chemin. Et pour rien. Tu ramasses le chemin pour rien. Si tu n'as rien à dire, reste tranquille. Alléluia. Il ne faut pas être pressé ou ne pas pousser par l'orgueil parce que tu veux te faire voir. Non. Même si on ne te voit pas, il n'y a pas de problème. Alléluia. Même si tu es dans la foule, l'église, personne ne te connaît. Mais tiens, Jésus-Christ te connaît. Amen. Alléluia. Jésus-Christ te connaît. Que tu es là, ton nom est écrit dans le livre de vie. Yes. Même si tout le monde ne connaît, mais Jésus-Christ te connaît. Alléluia. Amen. Il faut se confondre dans la foule. C'est très important. C'est très important. La joie, le pardon, la maîtrise, vous voyez, il y a tellement, tellement nombreux. C'est ce qui doit nous refléter en nous la vie de Christ. La vie de Christ. Il y a également un autre point très important, le fait de s'attacher au Seigneur Jésus est très important. Alléluia. Vous voyez, c'est vrai que les hommes de Dieu doivent être, les serviteurs de Dieu doivent être des modèles. Alléluia, c'est pas mauvais. Mais ce qui est très important, il faut s'attacher au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. C'est la vérité. L'homme est faillible. L'homme peut se tromper. L'homme peut faire des erreurs. L'homme peut s'y glisser. Alléluia. Mais Jésus est toujours solide, intouchable, infaillible. Alléluia. C'est à lui que tu dois t'attacher. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Comme nous sommes ici, c'est vrai, c'est une église. Dans la tête de l'église, il y a des dirigeants. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais c'est Christ. Doit, c'est-à-dire, ta référence, c'est-à-dire, ton modèle d'exemple parfait à
suivre, je dois m'attacher à Christ. Voyez ceux qui s'attachent aux hommes, c'est-à-dire attachés, c'est-à-dire aux hommes là. Le fait que l'homme, peut-être pas, c'est pas glissé, c'est faillible. Tu vas aussi le suivre, hein, et tu le suis pour ta perte. Mais Christ reste. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur Jésus. Ayez le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Ayez pour modèle parfait le Seigneur Jésus. Ayez pour l'exemple par excellence le Seigneur Jésus. Parce qu'en Jésus-Christ, il a tout. Alléluia. Il a tout. Il a tout. Également, je vais toucher ces points. L'habillement. Alléluia. Parce qu'on parle, le chrétien est le reflet de Christ. Il y a également l'habillement. Alléluia. Parce que tu vas dire chrétien, tu vas t'habiller n'importe comment. Non. Alléluia. Le Seigneur veut que le corps soit couvert. Quand on vient l'adorer en esprit, en vérité, on doit être bien habillé. Alléluia. C'est-à-dire les beaux habits. Les beaux habits que vous avez achetés, c'est pas si vous voulez porter ça pour un événement, c'est pas quoi. Porte ça pour venir à Christ. Alléluia. Amen. Sors l'habit là. Sors cet habit dans la veste, tu as repassé, gardé. Tu gardes ça pour porter ça quel jour. Alléluia. Amen. Mais on doit le porter, on doit être, c'est-à-dire, décent et élégant dans la simplicité, dans notre manière de s'habiller. Alléluia. C'est ça aussi la vie de Christ. C'est là la vie de Christ. Vous voyez, il y avait une soeur qui s'appelait Claire Andot, je ne sais pas qui avait suivi son témoignage. Gloire à Jésus. Vraiment, la soeur, son témoignage vraiment m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Vous voyez, elle disait qu'elle était en train de marcher, elle était bien habillée. Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui l'aperçoivent, qui la voient habillée et ils lui disent, est-ce que tu es musulman? Et dit qu'elle est chrétienne. Et comme ils sont étonnés, tu es chrétien? Tu vois, elle est chrétienne. Ah bon? Tu vois, elle est chrétienne. C'est comme ça que les chrétiens, les filles chrétiennes doivent s'habiller. Doivent s'habiller. C'est ça. Vous donc, elle a donc compris qu'en réalité, vraiment, même les musulmans, c'est-à-dire quand les musulmans, ils sont confondus. Quand ils voient c'est un enfant, c'est une chrétienne là. Parce que dans leur tête que les chrétiens là, ils s'habillent, c'est comme des païens, des prostituées, pour eux c'est comme ça. Or, les chrétiens doivent s'habiller décemment. Alléluia. C'est un message. C'est un message. Il y avait également une sœur. Ça n'est pas sa manière, sa simplicité, sa serviabilité. Elle travaille dans une société, elle est humble, elle est décente, c'est remplie d'amour, d'humilité. Maintenant, il y avait une autre femme, c'est la femme d'un pasteur, qui est Jézabel. Quand elle la voit, elle l'observait tellement la manière dont elle observait. Elle l'observait. Un jour, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là dont elle l'a pour étudier, elle est chrétienne. Voilà ce que la parole de Dieu nous demande de faire, nous demande de se comporter et de se vêtir. Ça l'a beaucoup marqué. Maintenant, un jour donc, elle invite, cette dame-là, elle invite, il faut que cette sœur vienne dans son église pour pouvoir témoigner. Maintenant, la sœur, elle a accepté, elle ne pouvait pas venir seule. Elle a appelé un frère. Ils sont partis ensemble. Ils ont rencontré le pasteur. Quand il a donc prêché, il a pris comme modèle, comme l'exemple. Et après,
l'église s'est vidée. Que le pasteur est venu avec un autre, un faux évangile, un autre évangile. Que n'est-ce pas, depuis des années, tu n'as jamais parlé de ce genre de cas. Mais le pasteur a été touché par, c'est-à-dire par la sœur. Au point où, c'est-à-dire sa prédication a changé. Maintenant, il a pris la résolution qu'effectivement, il s'éveille et qu'il est dans l'erreur. Dans l'erreur, il ne connaissait pas aujourd'hui, il connaît la vérité. Il doit prêcher le dépouillement. Et après, quand les gens sont partis, ils disent non, c'est comme ça. Ceux-là qui veulent vraiment sauver et qui veulent vraiment écouter cette prédication vont demeurer. Les autres sont sortis, il est resté avec quelques fidèles. Avec quelques fidèles. Et quand lui-même, quand il priait pour sa femme, donc sa femme qui était avec lui, elle était possédée. C'est-à-dire, Jézabel était possédée des témoins. C'est grave. Et après, son église s'est restée, c'est-à-dire quelques fidèles. Quelques fidèles. Tout part de la sœur. Alléluia. Elle n'a pas prêché à la femme là. Elle ne lui a pas prêché. C'est-à-dire sa manière de se vêtir, son habillement. C'est-à-dire sa serviabilité. Sa manière d'être humble. Ça l'a beaucoup marqué. Et c'est par là donc qu'elle a donc invité. Et ça a déclenché. Alléluia. C'est très important. C'est ça aussi et la nature du Seigneur Jésus. Parce qu'il nous enseigne, nous devons s'habiller décemment. Alléluia. Le dépouillement est très important. Ça, c'est un élément que beaucoup de faux serviteurs, ils ont déchiré. Ils ont déchiré la partie-là. Il y a d'autres même sont étonnés que mais quand on ne parle de dépouillement, c'est comme si ça sort, c'est comme si ça n'a jamais existé. Alors que c'est quelque chose qui existe bel et bien. Depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Ça existe bel et bien. Ça ne doit pas être étrange. C'est dans la Bible. Dans ta Bible, dans ma Bible. L'habillement des saints est très important. C'est ça la vie de Christ. Dans la simplicité. Habillez-vous convenablement. Alléluia. Couvrez votre corps dans la simplicité. Dans la simplicité. Bon, donc, Jésus-Christ nous facilite les choses. Mais le faux serviteur, c'est pour mettre encore les gens sous le joug. On va dire que non, l'habillement, il faut. C'est pas vous, faut l'habillement, c'est pas une icône, c'est quoi? C'est ça ce qu'elle autre joue encore. Votre Christ n'est pas la liberté. Mais Christ nous a franchis, il nous rend libres. Il met pas le jour pour les enfants de Dieu. Ce qu'il veut, soyez simples, c'est tout. Persévérez dans ma parole, dans ma volonté, dans ma sainteté, c'est tout ce qu'il nous demande de faire. Répétez-vous, c'est-à-dire ma nature, la nature du Seigneur Jésus, c'est tout ce qu'il nous demande de faire. Il ne va pas nous demander de faire quelque chose qui est au-delà de notre entendement, notre niveau. Non. Mais l'homme va chercher à compliquer, c'est-à-dire compliquer la vie. Il se met encore sous le joug, encore sous la loi. Est-ce que tu peux donc obéir à toute la loi? La loi, tu peux t'en sortir. Tu peux s'en sortir et obéir à toute la loi. Le chrétien est le reflet de Christ. Fais comme Jésus, marche comme Jésus, se comporter comme Jésus, agir comme Jésus, agis comme Jésus, parler comme Jésus. Alléluia. Amen. Fais tout comme Jésus parce qu'il est mon sauveur. Alléluia, je ne dois pas me cacher, je suis chrétien. Jésus-Christ est mon Dieu. Il est mon sauveur. Oui, je le crois. Il est mon sauveur. C'est lui mon modèle par excellence. Et je dois m'attacher à lui. Je dois obéir à ses commandements. C'est ça qui dépasse les enfants de Dieu. On voit les gens, ceux qui sont dans les cercles ésotériques et autres. Quand vous voyez même les témoins de Jéhovah,
les musulmans, regardez comment c'est fait. Ils ne s'amusent pas, c'est-à-dire, rêve, c'est qu'on les suit les fervents là. Ils obéissent. Même comme c'est dans le faux, ils vont obéir. Nous sommes dans le vrai et nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Avons le Saint-Esprit qui est le consolateur. On vous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit va nous orienter. Le Saint-Esprit va nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Nous avons reçu tout du Seigneur Jésus. Il suffit simplement que tu te mettes au travail. Alléluia. Les chrétiens entendent la voix de leur maître et ils les suivent. Ils les suivent. Nous devons suivre Christ. Nous entendons sa voix, nous marchons comme lui et nous le suivons. Alléluia. Les chrétiens sont le reflet de Christ. Je vais encore poser la question. Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Je veux voir le doigt. Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? De tout ce qui a été dit. De tout ce qui a été dit, est-ce que ma vie reflète la vie de Christ? Ça, c'est maintenant, c'est une question que tu dois ancrer en toi. Alléluia. Qui ici sait que sa vie reflète la vie de Christ? Je veux voir le doigt. Qui sait que ma vie reflète la vie de Christ? La vie de Christ. Il y a un, il y a deux, trois. Il y a quatre. Un. Non, fais comme ça, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous sommes combien? Nous sommes plus de 40. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut faire la mise à jour. Alléluia. La mise à jour. Pour nous, Christ nous aime et il nous rappelle encore. Il nous ramène. C'est-à-dire, à prendre conscience, il faut faire la mise à jour. Alléluia. Il a encore le temps, non? Il a encore le temps, il faut faire la mise à jour. La trompette n'a pas encore sonné. Aujourd'hui, tu es encore en vie. Tu n'es pas encore mort. Il faut donc faire la mise à jour. Alléluia. Tu vas te lever. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Faut faire la mise à jour. Pour toi, qui sait que ta vie ne reflète pas la vie de Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse pour que ta vie ne reflète pas la vie de Christ en tant que chrétien? Alléluia. De tout ce qui a été dit. Si tu n'es pas vérité. Alléluia. Si l'humilité ne te caractérise pas automatiquement, il y a les craintes, les semences d'orgueil. Alléluia. L'orgueil peut se manifester sous plusieurs formes. Alléluia. Si l'amour ne te caractérise pas, tu n'as pas aimé comme il le faut, c'est que tu vas présenter cet état aujourd'hui. Tu vas le déposer au pied de la croix. C'est pour toi que l'amour, le pardon ne te caractérise pas. Pour toi, c'est-à-dire que tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à pardonner ton frère. Tu as du mal à faire la paix, à se réconcilier avec ton prochain. Si tu as ça, il faut vraiment le présenter au Seigneur. C'est pour toi, tu as du mal à patienter. La patience, ce n'est pas ta vie. Ça ne te caractérise pas. Il faut présenter ça au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour toi sur le langage. Tu as encore fait le langage, ce n'est pas le langage. Amen. Pour toi, ça dit que tu, ta manière de parler là ne ressemble pas à un chrétien. Alléluia. Le langage. Tu dois vraiment demander pardon à Dieu. Tu dois présenter, ça dit la chose qui te dérange.
pour que ta vie ne reflète pas la vie de Christ comme il le faut, de tout ce qui a été dit. Alléluia, tu as été attentif. Tu vas humilier et tu vas présenter cela devant le Seigneur dans l'humilité. Alléluia, nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur l'Éternel, nous amène. Papa, voici au Dieu ton peuple. Voici ton peuple, Seigneur Jésus, qui s'humilie, Papa, mon Dieu, devant, au Dieu ton Saint-Trône. Tu nous as parlé, au Dieu, nous les chrétiens, nous tes disciples, qui te suivent, Papa, mon Dieu. Notre vie, toi, au Dieu, c'est de refléter la vie de Christ. Seigneur Jésus, nous devons porter la nature, nous devons revêtir la nature de Christ, nous devons revêtir la nature de Christ. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, voici tes enfants, oh Dieu, qui viennent se prosterner au pied de ta croix. Seigneur Jésus, nous vivons en attente de ta. Seigneur Jésus, notre vie, Papa mon Dieu, doit avoir une vie de modèle. Notre vie doit avoir une vie de Christ. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, tu nous as fait comprendre, Seigneur Jésus. Nous devons revêtir, Seigneur Jésus, de l'amour. Mais l'amour en nous, ça n'existe pas. Nous n'aimons pas comme tu le fais. Seigneur, nous n'aimons pas notre prochain. Nous, Seigneur, n'accompagnons pas l'amour par les actes, l'amour par les gestes, l'amour par les actions que nous posons. Seigneur Jésus, ces choses ne nous caractérisent pas. Nous sommes restés depuis longtemps glacés. Nous sommes restés depuis longtemps, oh Dieu, glacés. Glacés. L'amour n'a pas de terre. L'amour n'a pas. La vie n'a pas, oh Dieu, d'importance, n'a pas d'effet dans notre vie. Parce que, Seigneur Jésus, il y a quelque chose. L'Éternel des âmes, nous voici. Voici ton peuple, Seigneur Jésus. Voici ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié. Pardonne ton peuple, Seigneur Jésus. Nous voulons aller au ciel. Seigneur Jésus, voici ton peuple, Seigneur Jésus. Tu déclares dans ta parole, si nous ne nous aimons pas, nous ne sommes pas des disciples. C'est par là qu'on reconnaîtra. C'est par là que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples. Si nous aimons les uns les autres, si nous aimons les uns les autres, s'il n'y a pas l'amour, oh Dieu, il y a quelque chose. Le premier amour a disparu dans le cœur. Le premier amour a disparu dans le cœur de tes enfants. Le premier amour a disparu dans le cœur de tes enfants. Ce qui caractérise l'église de fin d'état, c'est l'amour, c'est la communion fraternelle, c'est l'unité. Parce que ce qui caractérise toi, le Seigneur Jésus, notre Dieu, c'est l'unité. Parce que ton Dieu est Dieu amour, c'est la communion fraternelle qui doit nous caractériser, qui doit rayonner, qui doit briller, qui doit se manifester au milieu de nous. Et qui doit se répandre également dehors. Parce que Seigneur, la lumière doit également briller dehors. Seigneur Jésus, oh l'Éternel des âmes, pardonne ton peuple, Seigneur Jésus, pour le manque d'humilité. Oh l'Éternel des âmes, tu déclares dans ta parole, Seigneur Jésus, toi tu es un Dieu, Seigneur Jésus, qui fait grâce aux humbles. Et tu veux que tes enfants, oh Dieu, soient humbles. Tu veux que tes enfants s'humilient, Papa, mon Dieu, à tout le niveau. Tu veux que tes enfants, Seigneur, puisse, oh Dieu, manifester l'humilité par leur comportement, l'humilité par leurs paroles, l'humilité par leur langage, l'humilité par leurs gestes, l'humilité par leur conduite, l'humilité par leur caractère, l'humilité par leur langage, l'humilité par les actions qu'ils posent. Seigneur, c'était le contraire. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, tu, oh Dieu, viens de nous interpeller afin que, Papa, mon Dieu, chacun prenne conscience, afin que chacun rentre en lui-même, afin que chacun fasse la rétrospection pour se poser des questions. Est-ce que ma vie reflète la vie de Christ? Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Seigneur Jésus, si l'humilité, oh Dieu, ne les a pas caractérisés, Seigneur Jésus, Papa, nous venons, oh Papa, mon Dieu, Seigneur, au pied de toi, Seigneur Jésus, pour te demander pardon. S'il n'y a pas, oh Dieu, l'humilité dans la vie de ton père, de tes enfants, automatiquement, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil et ses graines. Il y a l'orgueil et ses semences. Il y a l'orgueil et ses semences. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner. De nous pardonner. De nous pardonner, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes mal comportés dans la société. Parce que l'orgueil a envahi le cœur. L'orgueil a envahi le cœur. Par la manière de répondre. De se faire voir ou d'être au-dessus des hommes ou d'être au-dessus des hommes par la manière, oh Dieu, Seigneur Jésus, de faire la chose, oh Dieu, peut-être par l'ignorance, Seigneur Jésus, ils n'ont pas compris que ce qui est en train de faire
C'était l'homme en paix qui était en train de se manifester, qui était manifeste. Peut-être il ne savait pas. Oh Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, tu nous révèles ces choses. Tu nous révèles ces choses, papa, qui nous échappent parfois. Ces choses qui nous échappent parfois. Seigneur Jésus, je t'ai pris de nous pardonner. 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 Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur Jésus. Présente ce qui ne t'arrange pas, ce qui ne devrait pas t'arriver. Si c'est le manque de pardon, si c'est le manque de patience, ou si c'est la haine, s'il n'y a pas le pardon automatiquement, il y a la haine automatiquement, il y a la jalousie automatiquement, il y a les querelles, ou même les disputes. Ce sont des choses qui attirent les mouches, qui attirent le diable, qui attirent les mouches. Et là où il y a le péché, les mouches qui sont les esprits, qui sont les démons, vont venir. Parce que le péché les attire, les péchés les attire. Et le péché est un bénin qui ronge là, est un bénin qui ronge là, est un bénin qui est un poison. Seigneur Jésus, tu veux, papa mon Dieu, Seigneur, que nous, papa mon Dieu, soyons effectivement éternels, le reflet. Nous puissons vivre, Seigneur Jésus, ce que nous recevons de toi, ce que le Saint-Esprit nous donne, Seigneur de terre. Nous devons, oh Dieu, Seigneur, manifester, Seigneur, ta puissance, manifester ta volonté. Parce que le péché, oh Dieu, parce que notre vie ne reflète pas ta vie. Oh l'Éternel des âmes, je te prie, Seigneur Jésus, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner. Et tu nous fais comprendre ce que nous prêchons ici, c'est ce que nous devons vivre dehors. Ce que nous prêchons ici, c'est une vie, c'est une réalité. L'évangile que nous annonçons, c'est une vie, c'est une réalité. C'est le toucher de toi, c'est une réalité, Seigneur Jésus. Et nous ne parviendrons pas, oh Dieu Seigneur, de vivre ce que nous prêchons, de vivre, papa mon Dieu Seigneur, ce que, papa mon Dieu, nous disons aux autres. Seigneur Jésus, je te prie, l'Éternel des armées, de nous pardonner, de nous pardonner. Seigneur, pardonne ton peuple, Seigneur Jésus. Pardonne ton peuple, Seigneur Jésus, qui s'humilie devant toi, qui s'humilie devant toi, qui s'humilie devant toi, qui s'humilie devant toi, Seigneur, qui s'humilie devant toi, Seigneur, qui s'humilie devant toi. Je t'ai pris l'Éternel des armées, de les pardonner. De les pardonner au nom de Jésus. De les pardonner au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons, papa, mon Dieu, Seigneur. Oh Dieu, te suivre, toi qui es l'excellent modèle. Toi qui es l'excellent. Oh Dieu, Seigneur, modèle. Toi qui es notre modèle. Et nous voulons, papa, marcher conformément à ta parole. Nous voulons vivre, Seigneur, la vie de Christ. Nous voulons, papa, mon Dieu, s'attacher à toi. Parce que nous savons, oh Dieu, tu es, Seigneur, le modèle. Tu es l'exemple, papa, mon Dieu, parfait et par excellence. Que nous devons imiter. Que nous devons copier, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ce qui, papa mon Dieu, n'a pas marché dans nos vies, ce qui n'a pas marché dans nos vies. Oh l'Éternel des armées, je te prie, Seigneur, de nous pardonner. De nous pardonner, de nous pardonner. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Seigneur Jésus. Qui, papa mon Dieu, présente son cœur devant toi, Seigneur Jésus, et qui fait la rétrospection, qui voit tout autour. Oh Dieu, c'est quel sort son caractère, son langage. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pardonne-le. Pardonne ton peuple, Seigneur. 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 Pardonne ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Papa mon Dieu, tu fais de nous de nouvelles chrétiens. Et nous sommes, papa, des chrétiens. Nous portons ces statuts chrétiens. Oh Dieu. Seigneur, et tu voudrais, papa mon Dieu, c'est non, papa mon Dieu, statut dont nous portons chrétiens. Et nous devons, papa mon Dieu, le vivre. Ça doit, oh Dieu, devenir un mode de vie pour nous. Ça doit, papa mon Dieu, nous amener. Oh Dieu, à faire comme toi, Seigneur Jésus. À faire comme toi, à agir comme toi, à parler comme toi, à se comporter comme toi, à marcher comme toi, à faire comme toi tu as fait. Parce que tu nous as montré le chemin. Et nous devons suivre tes traces. Nous devons imiter, oh Dieu, tes actions. Nous devons, oh Dieu, se comporter comme toi. Nous devons, Seigneur, parler comme toi. Nous devons s'habiller comme toi. Nous devons aimer comme toi. Nous devons, Seigneur Jésus,
fait comme toi parce que tu es notre modèle par excellence. Tu es notre modèle par excellence. C'est toi, Papa mon Dieu, à qui nous attachons. Parce que tu ne nous déçois jamais. Tu ne nous trahis jamais. Tu ne nous déçois jamais. Parce que Seigneur Jésus, dès le commencement, tu nous as tracé le chemin à suivre. Seigneur Jésus, nous sommes à la veille de ton retour. Parce que tu déclares dans ta parole, lorsque tu viendras, est-ce que tu vas encore trouver les gens qui ont la foi? Est-ce que tu vas encore trouver ceux qui disent vraiment des chrétiens encore sur la terre? Parce que ta parole déclare, l'amour est devenu quelque chose de rare. L'amour est devenu quelque chose de difficile. Et le premier amour a disparu. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour doit rayonner au milieu des saints. L'amour doit rayonner au milieu de ton église. Et là où il y a l'amour, le diable n'a pas la même mise. Là où il y a l'amour, le diable et ses agents n'ont pas la même mise. Parce que c'est l'une des armes redoutables que tu donnes à tes enfants, à tes enfants qui sont des chrétiens du 21e siècle et à la veille de ton retour. Amen. Seigneur Jésus, fasse-nous grâce. Fasse-nous grâce. Et fasse-nous miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi. Voici ton peuple, Seigneur, qui a présenté l'état de son corps devant toi. Et je t'ai pris, Seigneur Jésus, de les pardonner et de les travailler. Seigneur, de les travailler pour enlever. Seigneur, ce qui, Papa mon Dieu, n'est pas au Dieu conforme à ta volonté, de les enlever, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur, notre propre force, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. Pourquoi nous avons besoin de ton soutien? Et nous avons besoin de ton œuvre, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu déclares également dans ta parole que nous soyons, oh Dieu, nous devons briller comme des flambeaux dans cette génération perverse. Nous devons briller comme le soleil dans cette génération corrompue qui a tourné le dos à la vérité. Nous devons briller au milieu de cette génération corrompue selon que tu déclares dans ta parole. Comme de vrais adorateurs, de vrais chrétiens. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Et si nous reflétons la vie de Christ, tous connaîtront qu'effectivement, nous sommes des vrais disciples, nous sommes des vrais enfants de Dieu et des chrétiens qui portent dignement ce statut d'être chrétien. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, mon Dieu, mon roi, aide ton peuple, Seigneur Jésus. Fais l'effort. Aide ton peuple, Seigneur Jésus, à faire tout ce que tu nous demandes de faire. Non seulement dans ta maison, au milieu où on se rassemble, dans le milieu, Papa, dans le cadre, au Dieu, où on se rassemble, mais également la vie des dehors, parce que tu nous appelles, au Dieu, à être des flambeaux. Et nous sommes également la lumière qui brille. Et cette lumière doit briller. Doit briller, doit briller, doit briller, doit briller. Que ta lumière brille dans la vie de chacun. Que ta lumière brille dans la vie de chacun. Que ta lumière brille dans la vie de tout chrétien ici présent. Afin, Seigneur Jésus, lorsque nous sommes dehors, qu'on puisse témoigner. Effectivement, nous sommes différents. Effectivement, nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Qu'effectivement, nous ne sommes pas comme les autres. Parce que c'est toi qui nous a changé, qui nous a modélé. Et c'est toi qui nous donne, Seigneur, des ingrédients. Seigneur, qu'il nous faut pour nous aider dans notre marche chrétienne et notre intimité avec toi.
Seigneur, je te prie, papa, mon Dieu, mon roi. Je sais. Il y a beaucoup. C'est des éléments qui te caractérisent. Oh papa, je te prie que tous ces caractéristiques, oh Dieu, que tu, papa mon Dieu, nous a aidé. Oh Dieu, à parler de ça aujourd'hui. Et que cela, papa mon Dieu, caractérise la vie de chacun. Et que chacun ici présent, oh papa, soit revêtu. Soit revêtu de l'amour. Soit revêtu. Que ton peuple soit revêtu de l'humilité. Que ton peuple soit revêtu du pardon. Que ton peuple soit revêtu de la patience. Que ton peuple soit revêtu de la crainte totale. En ton nom, qui englobe la fidélité, qui englobe la justice, qui englobe la vérité, qui englobe la transparence, qui englobe l'obéissance, qui englobe et l'intégrité et la loyauté. Seigneur Jésus, réveille ton peuple, Seigneur, de la douceur. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, le langage de Christ. Parce que nous devons parler comme toi. Nous devons parler comme toi. Seigneur, réveille ton peuple. Réveille ton peuple, Seigneur, de la maîtrise de soi. Réveille ton peuple, Seigneur, de la maîtrise de soi. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de la douceur. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de la bienveillance. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, des règles de bienveillance. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de la bienveillance. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de la charité. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de l'hospitalité. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de la générosité. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, de la libéralité. Réveille ton peuple, Seigneur Jésus, des bonnes œuvres. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu viens de faire. Seigneur Jésus, aide-nous à mettre toutes ces choses à partir et que toutes ces choses deviennent un mode de vie pour nous. Un mode de vie pour nous. Ces choses deviennent un mode de vie pour chacun, pour chaque chrétien. Chaque élu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Et que tu, Seigneur, l'inculques. Et que tu, Seigneur, le crames dans le cœur de chacun ici présent. Afin que cela porte des fruits et que cela impacte leur vie. Amen. Et que cela impacte leur vie. Et que désormais, Seigneur, nous ne soyons pas les mêmes. Nous soyons vraiment, effectivement, des chrétiens dignes de cela. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes merveilles. Parce que tu nous aimes tellement. C'est pourquoi tu nous donnes ces détails pour nous aider dans notre communion avec toi et dans notre marche et dans nos relations avec nos contemporains. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame encore.